Salut à tous. Alors, je voulais juste revenir sur ma vidéo, quelques infos. J'avais remarqué qu'à la fin, vers les 4-5 dernières minutes, on m'entendait plus. Je suis désolé, je me suis rendu compte qu'après, c'est mon micro qui a encore bugué. C'est pénible. En fait, mais je disais pas grand chose d'important, je vous montrais juste mon avancement dans la collection d'événements. Oui, les personnages, je monte toujours deux en légendaire. J'arrive pas à avoir des doublons, donc je ferme les lamas, j'arrive pas à les avoir. Et schéma, donc voilà, j'ai enfin tout fini. Mon ok, le spatio broyeur en légendaire, je l'ai enfin eu. Mais voilà, il manque encore deux héros. Sinon, donc les personnages donc qui sont dans la boutique, voilà, c'est bon, j'ai acheté les deux. Voilà, je les ai mis en collection direct. Ne faites pas comme moi, réfléchissez bien aux héros que vous les mettre en collection, et même aux armes et tout. Sinon, donc dans cette vidéo, donc je vous l'avais dit, je vous parlerai donc des ressources. Alors, prenons. Donc voilà, allons dans les schémas. Alors, on va prendre une arme, voilà, qui est niveau 1. On va la passer jusqu'au niveau 50, si j'ai assez de matériaux d'évolution, pour voir du coup toutes les ressources nécessaires. Ou alors on peut tout simplement prendre une arme et voir. Donc ça, ce serait plutôt un sac à dos. Voilà, et voir à ces différents stades ce qu'il faut pour l'utiliser. Mais. Voilà, c'est l'occasion comme ça de. Aussi pour vous montrer au passage au niveau 30 ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir. Monter au niveau. Alors, lance-boule de neige. Je regarde par rapport à ce qu'il faut pour les fabriquer. Ouais, on va prendre la trousseuse. Parce que on m'a dit que c'était une bonne arme. Ou alors en collection, j'ai pas un truc intéressant. Arme à distance. Ou peut-être une des nouvelles armes. Allez, j'ai récupéré le gamatron de fil. Bon voilà, ça coûte 20 V-Bucks de retirer. C'est pour ça, réfléchissez bien avant à ce que vous mettez en collection. Voilà, on va prendre cette arme. J'aurais pu prendre d'ailleurs le mini tromblon parce que je crois qu'il est mieux que le gamatron de fil. Mais bon. Voilà, j'ai mon... Quoique... Désolé, j'aurais dû préparer ça à l'avance. Je vais bien prendre le mini trompe-tron. Parce que des bons pistolets, en fait, j'en ai juste le Picard. Voilà. Et le mini trompe-tron est considéré comme un pistolet. Donc, il est où? Il est là. Amélioré. Alors, au début, il faut donc de la poudre cendrée, donc cette espèce de petit tonneau. De la corde. Voilà, de la ficelle légère. Une batterie, batterie chargée et du minerai cuivre. Alors, vous voyez que cette arme est à une étoile. Voilà, c'est à côté de éclair 20, elle a une étoile. Parce qu'en fait, elle est niveau 1. Voilà, il y a 5 étoiles, 50 niveaux. Donc quand vous passerez au-dessus, à partir du niveau 11, il y aura 2 étoiles, 21, 3 étoiles, 41, 4 étoiles et 50, 5 étoiles. Oui, c'est ça. Donc après, le niveau d'éclair, donc je vous avais déjà expliqué, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, voilà, légendaires, niveau 1, seront toujours éclair 20. Et quand vous la passerez au 50, elles seront éclair 130, c'est le maximum. Alors, la poudre cendrée, vous allez dans le sac à dos. Et pour en fabriquer, c'est là. Il faut donc du minerai brut et du charbon. Ça se trouve très facilement, voilà, la poudre cendrée, vous pouvez en fabriquer très facilement. Vous n'êtes pas obligé de les fabriquer à l'avance. Quand vous allez lancer la fabrication d'une arme, elles vont se fabriquer automatiquement. Ensuite, il y avait la ficelle légère. Alors, ficelle légère... Voilà, c'est ça. Donc, c'est ressource une étoile. Voilà, donc les cordes... Certaines ressources, vous les avez donc en 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles.
Donc c'est le cas des cordes, donc, ficelle légère 1 étoile, ficelle simple 2 étoiles, ficelle solide 3 étoiles, ficelle en tortillé 4 étoiles et ficelle découpée 5 étoiles. Pour les pièces mécaniques, alors je vais aller dans mon stockage parce que là j'ai pas tout sur moi. Donc 1 étoile pièce mécanique rouillée, 2 étoiles pièce mécanique simple, 3 pièce mécanique solide, 4 pièce mécanique lisse et 5 pièce mécanique efficace. Voilà, pareil pour les minerais. Donc là il faut du minerai de cuivre. Alors le minerai de cuivre, il est là, donc 1 étoile, 2 étoiles minerai d'argent, 3 étoiles malachite, 4 étoiles vous avez l'obsidienne et la ténébrante. Voilà, à partir de 5 étoiles, à partir de 4 étoiles, voilà, vous avez 2 minerais. Et en 5 étoiles, vous avez donc la soligante, qui est l'équivalent de la ténébrante, et la diaphanite, équivalent de l'obsidienne. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Ensuite, la batterie chargée, donc elle, il n'y a pas d'étoile. Voilà, vous en avez dès le début du jeu. Voilà, si ça vous en trouvez un peu partout, vous inquiétez pas. Voilà, vous ne serez pas en manque. De toute façon, il en faut une au maximum pour fabriquer des armes. Donc voilà, hein, pas de problème pour ça. Et est-ce qu'il fallait autre chose pour le mini trombotron? Non. Voilà, du coup, on va l'améliorer. Voilà, pour l'instant j'améliore, pas de problème pour ça. Vous voyez que toutes les stats augmentent à peu près. Alors là, je le fais voler. Donc vous voyez les ressources. Donc il faut bien sûr être au niveau 10. 2500 XP de schéma, l'équivalent d'une amélioration en fait. 20 gouttes de pli et 3 motifs d'armes. Hop, j'ai voulu. Donc vous voyez, il est passé à 2 étoiles. Et maintenant il faut des ressources 2 étoiles. Donc le minerai d'argent et la ficelle simple. Pour la poutre cendrée et batterie chargée, voilà, ça change pas, ces ressources-là n'ont pas d'étoiles. Je vous dirai après les ressources qui ont des étoiles et celles qui n'en ont pas. Voilà, j'ai mis encore. Peut-être qu'à un moment, dans une vidéo, je vous montrerai le nombre d'XP au total qu'il faut pour passer d'armes de niveau 1 à 50, également tous les matériaux d'évolution qu'il faut. Et là, j'étais un peu vite, je ne l'ai pas montré, de toute façon, vous pouvez mettre en pause. Vous pouvez calculer vous-même et je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Également donc, pour les armes, pour tout. Voilà, je continue. Vous voyez, c'est passé à 3 étoiles, donc ficelle solide et malachite. Et c'est là que faut faire attention. Voilà. Donc là, vous voyez, donc au niveau 30, 10 000 d'XP de schéma, donc ça augmente à chaque fois. 60 coups de pluie. 13 motifs d'armes, 22 foudre en bouteille et 11 œils de cyclone. Alors vous voyez, matériaux d'évolution, goutte de pluie, foudre en bouteille, œil de cyclone. Donc pour passer pour la première amélioration, c'est juste des gouttes de pluie. Ensuite c'est goutte de pluie, foudre en bouteille. Ensuite goutte de pluie, foudre en bouteille, œil de cyclone. Après vous aurez les 4, donc le quatrième qui est le fragment de tempête. Donc vous voyez, on pouvait donc là vous passez en 4 étoiles. La ficelle, donc c'est la ficelle entortillée. Donc ça, voilà, c'est la seule corde 4 étoiles, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est soit obsidienne, soit ténébrante. Alors vous voyez que l'amélioration n'est pas la même. En obsidienne, vous voyez, vous augmentez dégâts, enfin les dégâts normalement. Voilà, c'est un peu comme les améliorations normales. Vous pouvez faire le choix de la ténébrante. Alors vous voyez, les dégâts sont plus importants. Mais par contre, vous perdez en cadence de tir et en durabilité. Alors là, moi, cette arme, j'ai pas envie de la jouer en dura, ni en cadence de tir, parce que c'est quand même une arme qui a une cadence de tir de 7, c'est pas trop mal. Donc je vais plutôt la mettre en dégâts, c'est-à-dire je vais la passer en ténébrante. Hop, je fais évoluer. Et là, je continue d'améliorer. Mon arme là est 4 étoiles. Hop, j'ai plus de coups depuis, alors je vais vite fait en acheter deux en boutique. Voilà. 40, ça devrait suffire.
Ah non, parce qu'après il y a encore le dernier, la dernière migration. Bon. Mon tron, il est là. Ouais, il éclaire 106. Donc voilà, maintenant vous voyez les ressources ça augmente. Ça fait beaucoup à la fin. Alors vous voyez, donc là, ficelle découpée, forcément. Et soleillante. Ah non, c'est déjà la dernière migration, c'est bon. Et oui, donc soleillante, parce que je l'ai passé en ténébrante. Si j'avais passé en obsidienne, voilà, ça aurait été de la diaphanie. Hop, j'améliore. Et là, après, voilà, vous améliorez les derniers niveaux. Donc là, mon arme est niveau max. Elle est légendaire, niveau 50, donc éclair 130. C'est le maximum. Alors, vous voyez que la pose recentrée a été remplacée par du quartz. Voilà, parce que à haut niveau, je crois pas que ce soit le cas pour toutes les armes. Voilà, certaines armes, voilà, c'est encore des poses cendrées. Et certaines, comme par exemple la Lémure, voilà, ou enfin, je vais dire celle-ci, mais c'est Mitron, voilà, par exemple la Lémure, où c'est passé au quartz. Alors, le quartz. Un minerai, il est plus bas. Voilà, tous les minerais sont épiques, quel que soit leur niveau étoilé, ils sont épiques. Les pièces mécaniques, elles sont bleues. Les cordes, elles sont vertes, typiques. Et le quartz aussi, il est vert. Alors, c'est marqué une étoile, mais il existe que comme ça. Enfin, c'est une ressource que vous aurez du début à la fin du jeu, dans toutes les zones. Voilà, et c'est une ressource assez, assez importante parce qu'il y a des pièges qui nécessitent du quartz pour les fabriquer. Donc je vais passer vite fait sur les pièges. Après aussi, vous avez les poudres minérales. En une étoile, poudre minérale brute. Deux poudres minérales simples. Trois poudres minérales fines. Quatre poudres minérales anthracite. Et 5 poudres minérales oxydées. D'ailleurs, pourquoi j'en ai stocké 120 et pas 200? Je sais pas. Les écrous et bolons, voilà, il n'y a pas d'étoiles. Vous en avez du début à la fin. Les herbes fibreuses et le bacon, pareil. Pas d'étoiles. Toutes ces ressources-là, en fait, vous voyez, hein, elles n'ont pas d'étoiles. Toutes ces ressources-là. Vous en aurez du début à la fin et vous en aurez besoin, plus ou moins d'ailleurs. Il y a juste le quartz, ils ont mis une étoile, mais voilà, c'est comme s'il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a d'autres ressources entre guillemets évolutives? Je ne crois pas. Voilà, donc vite fait, donc la plupart des armes, vous aurez besoin donc, de minerais, pièces mécaniques, poudre cendrée et corne. Alors là, ou batterie chargée. Donc là, vous voyez, donc minerai, poudre cendrée et pièces mécaniques. Minerai, batterie chargée, pièces mécaniques, poudre cendrée. Là, pareil, on a du quartz. Là, c'est avec de la corne. Vous voyez, ce sera toujours ces ressources-là. Oui, ce sera toujours ces ressources-là pour les armes. Pour les pièges. Alors, les pièges, donc j'ai allé. Là, ce sera plus facile. Donc, vous voyez, la plupart, donc c'est écrou et boulon. Donc, vous voyez, il en faut quand même 11. On veut 13 pour le plafond électrocuteur. Mais vous inquiétez pas, ça se farme très facilement quand vous farmez le métal, les pièces mécaniques. Vous avez automatiquement farmé énormément d'écrou et boulon. Donc, pour la plupart, il faut du coup des écrou et boulon, des pièces mécaniques. Et je crois que ça, ce sont. Je vais vérifier des piles. Voilà, des piles. Pour le plafond toxique, alors le plafond toxique, c'est le plafond le meilleur piège du jeu, celui qui sera le plus utile et celui que je vous conseille de monter le plus haut en niveau. Vous aurez besoin du coup d'écrou et boulon, mais d'air fibreuse 7, c'est quand même beaucoup. De la poudre minérale, donc 2, ça va, c'est raisonnable.
Et un bacon, ça paraît pas beaucoup, mais le bacon, vous allez voir qu'il est pas si facile que ça à farmer. Et quand vous fabriquez beaucoup de plafonds toxiques, ça va assez vite. Voilà, donc surtout les herbivores, farmez-en un maximum dès que vous pouvez dans n'importe quelle zone, farmez-en un maximum pour les plafonds toxiques. Parce que 7 par plafond toxique, ça va très vite. Donc là, voilà, donc ici, pièces mécaniques, planches et quartz. Donc voilà, les planches, les écrous et boulons, les pièces mécaniques, le quartz et les piles, ce seront les ressources les plus importantes pour les pièges. Et poudre minérale aussi. Voilà, encore une fois, les mêmes ressources. Là, vous avez du coup la poudre minérale aussi. Et ça, donc ce piège-là, moi je m'en sers juste pour ralentir les carcasses. Celui-ci, je m'en sers juste pour ralentir les carcasses, donc vous voyez, je l'ai pas beaucoup amélioré. Ça me permet voilà, d'utiliser des ressources bas niveau, donc je me sers que pour ça en fait. Les autres, je m'en sers pas. Donc vous voyez, donc les ressources, globalement, c'est à peu près tout le temps les mêmes. Juste pour le plafond toxique, vous avez des herbes fibres et des bacon qu'il faut farmer en masse. C'est donc les pièges. Quand vous les améliorez, donc pareil, c'est le même système que pour les armes. Vous voyez, moi, ils sont au niveau 50, éclair 130, parce qu'ils sont légendaires. Pareil, donc vous voyez là, par exemple, ils sont 130, pièces mécaniques 5 étoiles, les pièces mécaniques, ce sont les pièces mécaniques efficaces. Comme pour les armes, ça évolue à chaque fois. Ensuite, donc je pense que c'est tout. Alors pourquoi j'ai pas de batterie chargée? Ah oui, j'ai tout stocké dans mon. Tout mis dans mon stockage. Alors elles sont voilà, mes batteries chargées qui sont en épique. Fabrique un mini tromblotron. Voilà, je l'ai amélioré, il faut bien que j'en crafte un. Il me faut des cornes. Enfin, des cornes, ouais, j'en ai stocké pas mal, donc ça va. Tac. Voilà les micro-ondes. Oh! Est-ce qu'il l'a fabriqué? Ah oh, merde. J'ai oublié un truc. Ah oui, il y a besoin de pièces mécaniques. Alors quand vous fabriquez une arme sans faire exprès, pendant qu'elle est en train de se fabriquer, ce que vous pouvez faire, c'est virer. Par exemple là j'ai viré toutes les batteries chargées et normalement la fabrication va s'interrompre, mais là j'ai pas été assez vite, donc voilà, j'ai perdu toutes les ressources que vous voyez à gauche, je les ai perdues parce que l'arme du coup là elle n'est pas améliorée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous avez les niveaux, vous avez appris les affixes, mais c'est bien que j'oublie quelque chose comme d'habitude. Les affixes, alors pour les affixes, déjà il y a, vous pouvez les améliorer, donc vous voyez là elles sont grises, vertes et bleues, donc voilà c'est niveau de rareté hein, comme vous connaissez déjà. Pour passer en vert, donc il vous faudra des 45 récupérateurs, donc c'est des sortes de petites clés à molette, et 100 décuplateurs épiques, les sortes de petites puces électroniques vertes, atypiques pardon. Hop, j'améliore. Et pour passer en bleu, c'est la même chose, 40, non ça passe, oui c'est plus de décuplateurs, de récuplateurs, 65 récuplateurs et 150 décuplateurs rares du coup. Hop, j'améliore. Voilà, donc après vous pouvez prendre les affixes que vous voulez. Bon bah celle-là je peux pas la changer, vous voyez il n'y en a qu'une seule. Les dégâts, alors dégâts taille du chargeur, taux de critique, dégâts. Alors, taille du chargeur, 30 balles. Alors, c'est très bien. Donc, c'était un taille du chargeur plus 50%. Du coup, ça devait être 20. Il doit avoir 20 de base dans le chargeur. Taux de critique, dégâts. Alors, donc, faut regarder capacités de. Les points forts de vos armes. Voilà. Donc là, dégâts 13 400. Bon, vous voyez, là, le point fort de cette arme, c'est le DPS. Là, 84 826,1 de DPS, c'est vraiment pas mal. Donc je vais miser là-dessus. Donc en mettant, par exemple, ma cadence de tir et dégâts. Alors là, je vais laisser les dégâts là et là.
Ici, taille du chargeur du coup. C'est peut-être pas très intéressant. Durabilité, vitesse, stabilité de l'arme. Ouais, il n'y a rien de bien intéressant là. Toute critique. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais mettre dégâts. Voilà. Donc pour changer la fixe, vous avez vu, c'est 600 récupérateurs. Quelle que soit la rareté, c'est 600 récupérateurs. Faites attention à vos récupérateurs parce que ça descend très très vite. Alors vous pouvez en acheter 1000 par semaine dans la boutique, donc 2000 par semaine pour 1000 d'or. Je vous conseille de les acheter à chaque fois. Alors, taille du chargeur, donc j'ai... Alors là, un DPS assez important, une cadence de tir de 6,3. Pour voir par rapport... Attendez deux secondes, vérifiez si mon micro ne buguait pas encore. Faut que vous regardiez par rapport du coup à la taille du chargeur qui se vide pas trop vite. Ou alors vous mettez vitesse de rechargement. Mais également, j'ai baissé la durabilité de mon arme. Du coup, le but, ça va être... Ça va pas être de conserver la durabilité parce que je l'ai baissé voilà, pour favoriser les dégâts. Du coup, je vais plutôt mettre... enfin, voilà, j'ai baissé la durabilité. Du coup, je pense que je vais mettre durabilité pour compenser. Voilà. Et ensuite, donc voilà, je vous conseille de passer au moins vos armes, vos affixes en rare. Parce que les décuplateurs rares et atypiques sont faciles à trouver. Par contre, pour les décuplateurs épiques et légendaires, là c'est plus compliqué. À moins que vous farmiez à fond les simulations à Picardie. Voilà, sinon, c'est pas facile à farmer. Du coup, améliorez juste les affixes qui vous semblent le plus important. Bon là, Mitron Menton, j'ai pas trop joué, du coup, je vais pas le faire. Je vais vous montrer sur notre arme. Et également, chaque arme a une capacité. Donc, par exemple, là, éliminer un adversaire crée un anneau de dégâts qui s'élargit. Ne peut se produire qu'une fois toutes les 4 secondes. Alors je vois pas trop à quoi ça ressemble en game. Je pense que j'allais le tester. Et probablement dans la prochaine vidéo, je jouerai l'arme pour vous montrer. Je vais pas vous le montrer dans celle-là. Là parce que cette arme, c'est vraiment... là, c'est pas consacré au mini-tromblotron, mais aux ressources et au niveau. Pour améliorer vos armes et vos pièges. Bon voilà, regardez bien chaque compétence de vos armes. Donc pour les affiches, donc je reviens par exemple là, mon lance-roquette. Le lance-roquette, voilà, c'est fait pour faire un max de dégâts. Voilà, ça sert vraiment qu'à ça, faire du dégât. Du coup, voilà, dégâts au monde de la brume, dégâts et dégâts. Je les ai mis en légendaire. Et vous voyez que si je veux changer la fixe, si par exemple je veux remplacer mettre un taux de critique, la fixe va rester légendaire. Vous n'aurez pas besoin de la réaméliorer. Et toujours pour 600 récupérateurs, donc c'est sur ça c'est cool. Ensuite, quand vous mettez vous recyclez une arme, par exemple, moi je recyclais mon lance-roquette. Au niveau des décuplateurs, vous voyez, vous allez en récupérer la totalité de ce que vous avez utilisé dans votre arme. Au niveau d'XP de schéma, c'est pas la totalité, mais c'est une très grande partie. Je crois pas que ce soit la totalité. Hein. Après, je peux peut-être me tromper. Attendez. Ah, on peut pas voir les ressources contre ça. Voilà. Au niveau des matériaux d'évolution, vous aurez récupéré la totalité. Les motifs d'armes, je crois que c'est la totalité aussi. Et des récupérateurs, la totalité. Donc vous voyez, c'est vraiment... quand vous mettez une arme à la retraite... à la retraite, n'importe quoi. Vous recyclez une arme, vous perdez pratiquement rien. Vous récupérez quasiment tout. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai encore autre chose à vous dire? Parce que comme d'hab, là, je suis pas préparé à l'avance. Je regarde la capacité de mon lance-roquette cause des dégâts d'infection pendant 6 secondes. Ah oui, alors les dégâts d'infection, c'est en gros quand vous touchez votre arme, donc ça peut être avec un piège ou une arme, l'ennemi va continuer à prendre des dégâts après. Alors les dégâts d'infection, je sais pas, c'est ils font combien de dégâts? Ça doit être un certain pourcentage des dégâts de l'arme, mais je ne sais pas combien. J'essaierai de voir ça. Ah oui, et quand vous mettez du coup en collection, tac, tac, je vais remettre ça.
Donc le trompe-tron, il est passé ici. Quand vous mettez une arme en collection, voilà. Quand, plus elle sera améliorée, plus elle vous donnera d'XP pour l'avancement, donc vous voyez tout en haut, de votre jauge de niveau. Voilà, plus elle sera au niveau, plus ça vous en donnera. Moi je vais pas le mettre, hein, je l'ai amélioré, c'est pas pour le mettre en collection. Je regardais là, c'est pas mal le nombre de matériaux d'évolution que ça me donne. Bon, je vais tester le mini trompe-tron, voir ce qu'il donne, s'il est vraiment bien. Je suis classé, j'ai une vie intérieure ah ouais. Compliquée. À ce lama-là, oui, j'ai deux héros mythiques. J'ai le Kai constructeur méga et la Jess éclaireuse éclipse, je crois. Je n'ai rien à cacher. Bon, 1000 VV, c'est pas mal, hein, on va voir deux. Deux héros mythiques, plus 1000 tickets, ça fait quand même deux lamas. C'est pas mal. Mais bon, je vais pas le prendre parce que j'ai déjà le Kai constructeur méga. Et puis juste pour avoir la GS là, je vais pas le prendre. Voilà, mais je vous dis, hein, c'est vraiment pas mal. Il y a deux mythiques dedans. Franchement, n'hésitez pas. Donc je vais arrêter la vidéo là. Je pense que je n'ai rien oublié. Après, pour les héros, améliorer les héros, sûrement, je vous ai déjà expliqué rapidement dans le guide complet. Voilà, vous vous embêtez pas avec toutes les ressources. Le seul truc, ça va être les matériaux d'évolution et l'XP de héros ou l'XP de survivant. Voilà, c'est très simple. Dites, ça risque rien, les rayons pour moi, X, ce sera hein. Tout. Je vous dis à la prochaine. Ciao.